Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Black Desert Online. C'est par rapport à la dernière mise à jour qu'il y a eu, donc vous avez un event qui nous permet d'avoir une boîte d'armes de cliff. C'est du plus 15 de base et ainsi nous pouvons la monter jusqu'en tête en payant. Donc la quête se prend. Je vais vous montrer sur la map. Non, c'est pas ça. Elle se prend ici à Poste Garde Ouest. Et il y a un petit bonhomme ici qui s'appellerait machin bidule. Qui vous donne une quête si vous êtes inférieur à 55. Et une autre quête. Alors il faudra choisir entre les deux. C'est une quête si on est inférieur à 55. Et une quête si on est supérieur à 55. En sachant que la supérieure à 55, il faut faire le boss Nez Rouge Éveillé. Donc voilà, c'est quand même pas des plus simples. Et en dessous de 55, il suffit d'aller tuer 50 effrites dans la zone un peu au nord. Donc, moi je n'avais pas de perso de 55, donc j'ai un peu pay to win. J'ai acheté un emplacement de personnage. Et du coup, bah, j'ai créé une LAN. Donc vous voyez, je suis niveau 9. Et là, je fais actuellement la quête où je tue les 50 effrites. Donc j'ai pas de stuff, rien du tout. Hein. On peut y aller avec les armes de base. Ça passe, je suis à 41 sur 50. Voilà, ça pex. Allez, plus que 4. Voilà, niveau de facilité là, assez impressionnant. Donc voilà, on a fini la quête. On retourne voir Monsieur Ray. Qui va nous donner notre petite récompense. Bon, bien sûr, si vous voulez ça sur un perso plus haut, faut prendre l'autre. Hein. Attendez, je vais vous montrer d'ailleurs. La quête, vous l'avez, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Nouvelle quête et c'est les deux. Il y a toujours celle d'Halloween. Hein. Donc n'hésitez pas à les faire parce qu'il y a quand même. Comment mince, attendez, faut que je la retrouve. Normalement, il y a toujours. Voilà. La quête de la boîte de cadeaux d'Halloween avait quand même des bons trucs à l'intérieur. Donc, faut pas hésiter à la faire, hein, faut pas oublier de la faire surtout. Et donc, du coup, les deux quêtes sont en dessous là, coffre d'armes de Cliff. Donc, je sais pas du tout les stats qu'elles ont, donc on va voir ça ensemble. J'espère simplement que la boîte n'est pas liée parce que franchement, la mettre sur. J'ai une lame déjà 59, 58, 59, donc si je pouvais lui transférer. J'aimerais mieux donc pour la 56 faut tuer Nez Rouge éveillé, voilà, donc c'est pas au-dessus de 56, c'est 50, au-dessus de 55 plutôt, c'est un peu plus ardu, surtout moi qui ai juste une guilde comme ça juste pour avoir un calendrier, donc j'ai personne avec qui le faire, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup j'ai dit allez hop, on crée un petit perso, on va voir si la boîte est liée ou pas directement. Je pense qu'elle va être liée parce que c'est marqué transaction indisponible, personnel. Donc, tant pis pour moi. Ok, pourquoi il me la propose pas? Elle est finie la quête. Ah, parce que c'est pas à lui qu'il faut la rendre. D'accord. Ok, donc, my bad. Et c'est un autre bonhomme qui est à côté. Donc on la prend à lui, là, au petit bonhomme qu'on a vu, là. Et faut aller la rendre un peu plus loin. Bon, bah, je pensais que c'était à lui qu'il fallait rendre. Prochaine fois, je lirai mieux les quêtes. Il y a un truc que j'ai envie de tenter. Ah, attendez, on va tenter un truc ensemble, vite fait. La quête, je l'ai finie. Normalement, la quête était disponible avec tous mes persos. Ah, je suis un peu loin avec mes persos, quoi. Allez. On va tenter voir si on a la quête et est-ce que je peux la rendre avec un autre perso en sachant qu'il est au-dessus de 56. Je vais tester ça. Au-dessus de 55, je veux dire. Je vais pas y arriver. Hein. Moi, 56, hein, mais c'est 55. Hein. En dessous, c'est la quête, faut tuer des mobs. Au-dessus, faut tuer Beg.
pas Beg, des rouges. La semaine d'après, il y en aura une autre où il faudra tuer Beg, ou un autre. Et une autre semaine, il faudra en tuer encore un autre. Donc si ça marche comme ça, eh ben écoutez, on aura trouvé un moyen de faire la quête assez aisément. Qu'on va pas s'en priver. Hein. Donc du coup. Ouais, Malan est 58, hein, donc du coup. J'ai pas d'armes dessus, donc ça serait. Ah, j'ai une tri verte, donc ça serait bien que j'arrive à choper l'arme. Mais si j'arrête de mélanger les pinceaux, bah non, de Jou, tu vas y arriver, oui. Donc du coup, elle est là, apparemment elle est validée. Donc on va aller voir ça de suite. Normalement j'ai un cheval là. Normalement, j'ai un dada qui me permet de courir, parce qu'on va éviter de se fatiguer les papattes, hein, quand même. Il est garé où? Où c'est que j'ai garé la monture, hein? Ah, là. Alors, normalement, ça va être un tout pourri, hein? Il n'y a pas d'armure, rien du tout. Voilà, donc du coup, là maintenant, on a bien compris où c'est que c'était. Alors, au pire, j'aurais fait un petit détour de 5 minutes, de 2 minutes, quoi, pour aller vérifier si c'est faisable de gruger. Ceci, je peux rendre la quête, c'est intéressant. C'est si vous avez. Pas les, pas, vous voulez faire ça facilement et les données après sont un autre perso. Donc, techniquement, moi, je peux toutes les EP en tête, hein, faut à peu près 1 milliard pour les EP. Je dois avoir 6 ou 7 milliards à Magoria. Oui, parce que moi je suis un fou. Hein. L'argent, je le garde pas là. Je le mets à Magoria parce que je sais que sinon je vais le dépenser. Donc je me suis dit, tant qu'à le planquer, politique, j'y ai touché, je vais le foutre à Magoria sur un perso. C'est pas la banque. Hein. C'est sur un perso. Il n'est tout que des lingots. Le mec, il peut pas bouger. Et je me suis dit, au moins, comme ça. Bah, déjà la route est longue pour y aller, hein. Donc je me suis dit, au moins comme ça va bien te faire chier le jour où tu voudras aller dire, ah oh, tiens, je vais aller chercher les sous. Ah bah non, ah bah non, c'est trop loin. Donc du coup, 45 minutes de route pour y aller, voilà, on va éviter. Donc du coup, je me suis dit comme ça, au moins là-bas c'est safe. Et voilà. Mais bon, il faudra que j'aille pour repérer l'arme. Bah si ça fonctionne, hein, parce que. Ça m'embêterait un peu de. Oh là là, oh là, alors. Bon bah. Ok, éjecte-moi, je te dirai rien. Ah, mais je vais t'abattre, moi. Alors, on va faire du steak charal. Alors la quête est apparemment rendable. Vous voyez, on peut la rendre. Donc, comme je veux l'arme sur ma LAN, on a le choix entre. On va en choisir une hein, sur les trois. Comme il y a 3 semaines, vous aurez les trois au final. On va dire que moi j'ai pas d'arme principale. Donc on va prendre l'arme principale. Hein. Voilà. Donc accomplir. Voilà. Donc vous pouvez la faire avec un reroll et aller le chercher avec votre main ou un perso qui n'a pas d'arme comme moi. Et donc du coup, vous avez une boîte qui était invendable et que vous pouvez. On va aller vérifier tout de suite. Je vais vérifier quand même avec vous avant. Parce que ça se trouve, j'ai fait le chemin pour rien et ça se trouve, on peut la mettre en banque. Bon, toi, tu me laisses monter sur ton dos ou. Hein? Comment ça va se passer? Ouais, bien, bien. Donc, du coup, on affiche la carte. Et on va. Hop. On va au dépôt. Voilà. Bon, je ne connais absolument pas les stats, donc on va l'ouvrir après ensemble. C'est une plus 15. Je crois pas avoir les sous pour la EP. Dans ce monde, Velia, combien j'ai? 1 million. On n'est pas rendu. Edel, 17 millions. Je pense que je peux même pas la EP. Oh, j'ai même plus de value pack. Va falloir que je gruge un value pack à lever. Ça va être un peu compliqué. Là. Surtout que ça a bien augmenté. J'ai vu ça. Oh là là, ils ont fait un réhausse de prix. Et par contre, du coup, j'ai pas de thune, quoi. Bon, bah, je pourrais même pas faire le. Un petit up devant vous. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici, s'il y en a qui regardent la vidéo et qui veulent une cloche, j'en ai une, elle est liée. Mais ce qu'on peut faire, c'est que j'ai besoin d'un value pack. Donc
si ça peut vous arranger, moi je vous propose de vous activer la cloche sur votre chaîne. Hein, vous mettez ça en commentaire en bas, en MP. Sinon, vous avez ma page sur mon compte YouTube, ma page Facebook, mon Twitter. Vous m'envoyez un message, il n'y a pas de souci. Et moi, je vous active la petite cloche. Et puis, en échange, vous me filez un value pack ou une connerie comme ça. Pas de souci, parce que moi, je n'utiliserai pas. Donc, j'ai pas le temps de jeu pour l'utiliser. Donc, si ça peut vous aider et vous faire plaisir. Bon, je l'utiliserai pas pour le moment, donc ou si j'utilise, ça sera peut-être dans un mois ou deux. Pour l'instant, je suis sur d'autres jeux, donc dépôt. Est-ce que la boîte peut être mise? Ah, donc elle peut être mise. Donc en fait, vous pouvez aller la chercher avec votre truc et la mettre au coffre, et n'importe quel perso pourra l'utiliser. Donc, déjà, c'est un bon point. Bah oui, c'est un très bon point à savoir. Mais bon, moi comme je la veux sur la LAN, puisque j'ai pas de stuff sur la LAN, et que c'est un perso que j'aimerais bien monter en level, je vous connais, hein. Donc on va l'ouvrir. Si j'avais cliqué sur oui, ça serait peut-être mieux, hein. Donc nous avons un pan de lune de Cliff qui n'a aucune stat à part un effet d'objet de dégâts supplémentaires à toutes les espèces et coup critique plus 3. Voilà, c'est pas mal. Avec deux emplacements de gemmes. Bah écoutez, voyons voir un peu. Ouais, t'arrêtes de le remuer ton truc Et en même temps, faut peut-être que je retire le costume. Faut que j'arrête de fumette. Ah non, j'ai un value pack là, de combien de jours? 7 jours. Impeccable. Donc du coup, voilà la gueule. Wesh ma gueule du bazar. Non, mais je m'en fous de voir tes fesses. C'est l'arme, moi, qui m'intéresse. Hein. Arrête de l'armuer. Arrête de l'armuer dans tous les sens. Ça sert à rien. Par contre, toi, monsieur... On se pousse, s'il vous plaît. Voilà, c'est sympa, j'aime bien. Avec les deux petits dragons de jade sur le dessus. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, c'est des dragons de jade. Hein. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Voilà, donc, bah écoutez. Pour faire un petit récap, la cape peut être faite avec un alt. Et vous pouvez la transférer à n'importe quel perso que vous voulez via la banque ou la récupérer directement comme j'ai fait moi avec le perso que vous désirez avoir l'arme. Donc du coup moi je continuerai les trois boîtes sur la LAN histoire de trucs. Je vais essayer d'aller récupérer dès que j'aurai un moment de libre un peu d'argent pour essayer de la EP. Je ferai une petite vidéo pour retenter la EP pour voir si ça passe à 100% ou pas. Parce que je sens bien le truc que tu payes mais ça... C'est un pourcentage de chance. Donc on verra à ce moment-là ensemble comment faire. Hein, comment ça se passe. Et je vous dis moi à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je tiens à vous dire que si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Pensez à mettre un pouce bleu, tout et tout. À vous abonner pour les petites cloches aussi. Activez la petite cloche pour être suivi. Et n'hésitez pas en commentaire à mettre si vous voulez. Que je vous active la cloche dorée sur un de vos serveurs à n'importe quel moment, pas de souci. On essaiera de se trouver un petit moment où je puisse vous l'activer et moi je farmerai peut-être. Peut-être que je viendrai, vous me ferez un petit coup de PL hein, si vous êtes sympa. Non, je déconne. Non, je vous l'active, il n'y a pas de souci sur votre serveur et puis voilà. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire. J'ai rien d'autre, je crois, qui peut être donné, hein, qui peut être activé pour les autres. Donc, du coup, non, j'ai rien d'autre. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me dire, ou sur en commentaire, ou sur Twitter, ou sur ma page Facebook, vous m'envoyez un message, vous me dites, voilà, j'aimerais bien la cloche sur tel serveur, tel jour, telle heure. Voilà, et je vous dirai si moi je suis disponible déjà à ce moment-là. Et puis, on est au pire, on essaiera de se trouver un petit créneau. Hein. Donc, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien.
Et à la semaine prochaine pour l'autre partie de la quête, pour aller récupérer la deuxième arme. Et voilà. À très bientôt!